Paul Gauguin est né à Paris 7 juin 1848. Voici un autoportrait. Gauguin était marié et a eu 5 enfants. Gauguin s'embarque dans les marines marchandes, puis dans la marine française et navigue sur la mer du monde durant 6 ans. En 1892, il abandonne son emploi pour se consacrer à sa nouvelle passion, le peinture. En 1891, Gauguin s'embarque pour la Polynésie et s'installe à Tahiti. Il a quitté sa femme et ses 5 enfants et poursuivre sa passion. Gauguin aimait peindre des motifs brillants, plats et couleurs avec des fortes lignes. Plusieurs de ses peintures ressemblaient à l'art japonais avec de grandes surfaces de couleurs pures. Ce tableau est appelé « Où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous ». Cette peinture montre son amour pour des couleurs vives. Dans cette peinture, il utilise contours sombres pour représenter différentes parties de la peinture. Cette peinture est composée de grandes surfaces de couleurs. Elle est impressionniste en raison de la façon dont Gauguin a utilisé des couleurs vives et le cube de peinture épais à travers la peinture. Gauguin montre son amour pour les modèles de cette image. Ce tableau s'appelle La femme au mango. Gauguin l'a peint en 1892 quand il arrivait à Tahiti. Ce tableau est appelé La Crèche-Jouane et a été peint en 1889. Paul Gauguin était un grand artiste et il est mort en 1903.